Donc bonjour, bienvenue à tous dans cet échange « Ici commence la mer ». On accueille aujourd'hui Frédéric Ries, Égal Eau. Donc voilà, en fait, on va vous expliquer un peu dans quel contexte on se trouve ici. On est dans l'exposition « Microplastique ». Le musée des égouts de Bruxelles accueille l'exposition créée par l'ONG Surfrider. On se trouve ici donc dans le cot d'un étudiant ou d'une étudiante, Jo, qui étudie la biologie marine et qui se documente sur cette problématique des microplastiques dont on va vous parler durant cet exposé. Le rôle du musée des égouts, c'est de sensibiliser le public à la gestion de nos eaux usées, au cycle de l'eau et à l'importance de l'homme sur ce cycle de l'eau. On éveille aussi l'attention sur cette ville d'en bas, finalement sur tout ce réseau d'assainissement qui est essentiel au bon fonctionnement de notre société. Et on le verra qu'il y a aussi un lien étroit avec les microplastiques. Donc cette exposition, elle a été conçue en 2020 à Biarritz, donc en bord de mer, et elle est remontée en amont jusqu'à Bruxelles, capitale européenne, et donc à travers les travaux de scientifiques et une immersion un peu artistique avec cette scénographie qui est donc l'œuvre d'Isabelle Azaïs. On a vraiment voulu sensibiliser le grand public à cette question des microplastiques. Alors, cette rencontre-ci, elle vient en complément de l'exposition et elle vise à avoir le point de vue de deux secteurs qui sont essentiels et complémentaires aussi, donc le secteur législatif et associatif. Donc, je voudrais inviter chacune de nos invitées à se présenter. Donc, Frédéric Ries, vous êtes eurodéputée, membre de la commission environnement. Mm-hmm. Et donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle directive sur les plastiques à usage unique ? Ah ben, on est en plein, presque dans l'actualité, parce que c'est vrai que pour moi, tout ceci, comme on fonctionne beaucoup en amont à l'Union européenne, correspond à un travail qu'on a réalisé il y a 2 ans, très très rapidement, un forcing au pas cadencé pour aboutir à cette directive, mais dont les premiers effets vont entrer en vigueur le 3 juillet. Donc on y est presque ici. Donc j'allais dire, on est vraiment au cœur de l'actualité ici, parce que j'étais en train de regarder tous les produits de cette étudiante en biologie, effectivement. Je cherchais un pneu, mais ça, je n'ai pas trouvé en termes de microplastique, parce que les pneus sont très, très impliqués aussi. Vous l'avez dit, je suis députée européenne depuis 20 ans. J'ose à peine le dire, mais bon, oui, voilà. Et depuis 20 ans, je n'ai jamais quitté ma commission de la santé et de l'environnement. Donc, je travaille depuis 20 ans, j'ai vu les choses beaucoup évoluer. J'ai tellement travaillé avec les associations Surfrider et toute une série d'autres associations, parce que, vous l'avez bien dit, on est complémentaires. On a souvent l'impression d'entendre les uns les autres, et les médias souvent, qu'on est comme... Mais non, je veux dire, et singulièrement sur cette directive-là, mais on reviendra sur ce qu'on a décidé, parce que c'est peut-être un peu aride en commençant, mais enfin, aride, un peu long aussi, mais singulièrement là, parce qu'il n'y a jamais eu, c'est pour ça que je dis que je suis là depuis 20 ans, je n'ai jamais connu une autre issue, une autre question, un autre objet ici de législation où on a été à tel point soutenu par les opinions, par les citoyens, par les ONG qui en général nous disent écoutez, ça ne va pas, on a ceci, on n'est pas d'accord, il faut forcer le trait là-dessus, il faut voilà. Ici, on était vraiment à l'unisson avec cette pression positive citoyenne pour aboutir au très bon résultat. Alors, il y a des choses qu'on a dû lâcher parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. D'abord, je ne suis pas toute seule, il y a d'autres politiques, il y a d'autres groupes, il y a surtout d'autres institutions. Mais on a vraiment beaucoup travaillé ensemble sur cette directive qui, en gros, directive plastique à usage unique, effectivement, visait à répondre à une question qui se pose à tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, dans une dizaine d'années, il y aura, comme on le dit, plus de plastique que de poissons dans les océans, les plastiques qu'on voit et ceux qui nous occupent ici qu'on ne voit pas? Et comme le fait toujours le corps législatif, on a interdit, incité, appelé à toute une série de choses. Et les choses qu'on a interdites, il y en a un paquet ici. Hein. Là, c'est les nouvelles, c'est les alternatives, les pailles, les touillettes à café, je ne les vois pas, il n'y en a pas. Les bâtons en plastique pour les ballons sont interdits. Les fameux couverts en plastique, les assiettes en plastique, je touche ça. Celle-là n'est pas usage unique. Et puis, il y a toute une série d'autres déchets que l'on retrouve sur nos plages, les gobelets, les bouteilles, les mégots, etc. Oui, où on a mis des actions, effectivement, on a décidé d'une série d'actions qui ne sont pas l'interdit
interdiction, mais qui sont le passage à des alternatives dans des calendriers que devront décider les États membres. Je fais un peu bref là. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous permet de rebondir sur la présentation de Gaëlle Haut, donc qui est représentante de l'ONG Surfrider à Bruxelles. Et donc, quel a été le rôle de ces associations dans l'adoption, à pousser finalement cette nouvelle législation ambitieuse sur la lutte contre la pollution plastique? Bah, ça a été dit, on a travaillé énormément avec les institutions européennes et en particulier avec le Parlement européen et en particulier avec Madame Ries pour aboutir à cette législation. Je dis on parce qu'effectivement on n'était pas seul. Donc moi je représente ici Surfrider Fondation Europe qui est une des ONG qui s'est vraiment mobilisée pour arriver à ces premières mesures, mais on appelle à d'autres. Donc on est une association de protection de l'océan qui existe depuis 30 ans et qui lutte vraiment contre toutes les pollutions de l'eau et pour la santé de l'environnement et la santé aussi des hommes, des communautés locales, des communautés littorales et de l'ensemble des usagers de la mer. Et donc on est aussi, derrière nous il y a tout un mouvement. À Bruxelles en tout cas, on était une coalition d'ONG qui a très fortement travaillé avec vous, qui s'appelle We Think Plastic. Donc c'est une coalition de 10 ONG, vraiment moteurs, qui ont une vision, c'est un avenir sans pollution plastique. Et donc on est des ONG très différentes, Ciel, EBE, Clientus, Zero Waste Europe, etc. Je ne vais pas toutes les citer ici. Et derrière nous encore, il y a un mouvement européen de milliers de citoyens et de plus de 2000 ONG au niveau mondial qui ont cette vision, voilà, un avenir sans pollution plastique. Et notre idée, c'est vraiment pousser les décideurs pour arriver à cette ambition qui nous semble faisable si on met les moyens en face. Donc voilà, je suis ravie d'être ici. On a fait des actions ensemble, notamment à Strasbourg, parce que dans son impact assessment, c'est un état des lieux sur lesquels la Commission travaille quand elle propose des directives, des règlements. On est allé regarder sur les plages quels étaient le type d'objets qu'on retrouvait le plus. En numéro 1, c'est les bouteilles. En numéro 2, ce sont les mégots. Les mégots, parce qu'on oublie, mais les filtres des cigarettes, c'est de l'acétate de cellulose, c'est du plastique. Or que l'alternative existe. C'est un débat très compliqué avec les fumeurs que j'aurais voulu avoir, mais qu'on a un peu... Enfin, on a obtenu des choses, mais pas vraiment ce que moi, je souhaitais. Mais donc, avec vous, grâce à vous, on a fait toute une série d'opérations, notamment à Strasbourg, devant le Parlement. Et moi, je me souviens, je ne l'ai pas fait exprès, mais donc les députés qui le voulaient, on ramassait les déchets et on a vu au bout d'une heure ou une heure et demie ce qu'on avait dans nos... Et moi, j'avais essentiellement des mégots et alors ce qu'on appelle la frigolite, du polystyrène expansé, qu'on a mis à bord, qui n'y était pas et qu'on a mis à bord. Donc c'est très utile, vos opérations de sensibilisation, en ce compris pour nous. Oui, c'est ça. Nous aussi, au musée, on a vraiment cette... parce que voilà, au-delà du plastique qui est dans les mégots, le mégot en lui-même aussi, un mégot pollue jusqu'à 500 litres oui. d'eau. Et donc, il faut vraiment qu'on sensibilise les fumeurs que l'avaloir, donc cette bouche d'égout qui est le long de notre trottoir, c'est pas une poubelle, c'est... Mmh. Voilà, ça a un impact sur l'ensemble du cycle de l'eau. Et on va d'ailleurs commencer par dresser un peu un état des lieux de cette pollution plastique en Europe. Finalement, qu'en est-il? Quelle est l'ampleur de cette pollution? Quelles sont les sources principales? On l'a déjà évoqué, les mégots, le polystyrène... expansé, la mousse de polystyrène expansée. C'est ça. Expanded polystyrene. Ouais. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme source principale dans les océans, mais dont les bords de mer ne sont pas les seuls responsables, évidemment. Ça vient des rivières. Et voilà, ce qu'on pollue en ville, ce qui est entraîné par nos rivières et les fleuves jusqu'à la mer. Finalement, qu'est-ce qu'on retrouve? Le constat est très clair. L'essentiel des déchets qu'on recense dans les milieux aquatiques, c'est déjà du plastique. Donc d'où la thématique aujourd'hui. Et très clairement aussi, on voit que la très grande majorité vient de l'intérieur des terres. Ce qui peut paraître surprenant quand on n'est pas familier avec la problématique, c'est de bien comprendre que certes, il y a des déchets qui sont directement... qui sont faits déjà dans la mer, mais la majorité vient en réalité des terres. Et un chiffre qu'on rappelle, mais qui est l'évidence même, mais c'est vraiment de dire la responsabilité humaine, elle est à 100%. C'est-à-dire le plastique, c'est quelque chose qu'on extrait, c'est issu du fossile aussi, c'est quelque chose des énergies fossiles qu'on rappelle. Et donc, cette pollution plastique, elle ne cesse de croître. On a une production plastique qui a été
multipliée par 20 depuis les années 60. On a une production plastique qui va être multipliée encore par 4 dans les 20 années qui arrivent. Donc on est inquiet. Puis on pourra y revenir, mais il y a toute une série d'impacts sur l'environnement et sur la santé de cette pollution plastique. Et au niveau de l'océan, là, le constat est dramatique, c'est-à-dire qu'on a des animaux marins qui sont impactés. On a en tête toutes ces images d'animaux marins qui sont emprisonnés donc dans des sacs plastiques, qui ont des pailles, des tortues qui ont des pailles dans les marines, des choses comme ça. Oui, on a des chiffres qui sont vraiment inquiétants. On a 99% des fulmars, donc c'est des oiseaux marins qui ont du plastique dans leur estomac, par exemple. Donc ça, c'est vraiment révélateur de la problématique. Et puis, il y a cette problématique, et c'est l'objet de l'exposition aussi, c'est rendre visible l'invisible. C'est cette pollution microplastique dont on découvre de plus en plus l'ampleur. Il y a quelques années, on disait que peut-être il y aurait 12 millions de tonnes de plastique qui iraient chaque année dans les océans. Maintenant, une étude récente dans l'Atlantique nous parle de 21 millions. Et donc, tout ça, c'est des estimations, mais qui sont de plus en plus inquiétants. Les chiffres, mais on va dans le même sens, hein. les chiffres, ils sont énormes. C'est juste qu'à un moment donné, on ne sait plus. Moi, j'ai lu qu'on est plutôt entre 300 et 400 millions de tonnes par an, 30 millions de tonnes en tous les cas pour l'Union européenne de déchets. C'est énorme. Et c'est vrai, toutes ces images en Europe et beaucoup plus, je dirais, je ne dis pas heureusement, mais beaucoup plus hors de l'Europe, parce que c'est un argument qui m'a beaucoup été avancé dans les discussions pour la législation, parce que contrairement à ce dont on a l'impression ici, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Et il y avait une série de députés plutôt conservateurs qui m'avançaient, écoutez, de toute façon, sur les 10 fleuves les plus concernés, donc qui rassemblent à 90% de la pollution plastique au monde, il y en a 8 en Asie et 2 en Afrique. Pourquoi est-ce que nous ferions quelque chose? En gros, c'était un peu ça l'argument. Je dis, mais non, il faut l'inverser, cet argument, comme une vieille chaussette. On n'est peut-être pas les plus grands responsables, mais en même temps, on doit être les leaders dans la réponse à adresser à ce type de challenge, effectivement. Et alors, moi, j'avais commencé en disant, je suis une élue libérale, et donc, en leur expliquant, tout ceci n'est pas un procès au plastique en tant que tel. Le plastique a certaines réalisations qui sont remarquables. On a des organes artificiels sur lesquels on travaille avec des composants plastiques. On a des choses qui ne sont pas à usage unique. L'usage unique, je pense, aussi bien dans le plastique que dans toute une série d'autres. C'est aussi une bataille contre l'usage unique, quel que soit dans le fond. Par définition, l'usage unique n'est pas soutenable. Donc là, on doit changer les choses. Donc c'est un des arguments qui m'a beaucoup été avancé, et c'est aussi beaucoup des images qui nous viennent en tête. En venant ce matin, j'étais encore plus concernée par notre conversation d'aujourd'hui. Je branche ma télé et je vois ce porte-conteneur qui est en train de flamber au large du Sri Lanka avec une marée, alors pas une marée noire, c'est un concept malheureusement tragiquement nouveau, c'est une marée de plastique, parce que les conteneurs transportaient des granules, des pellets de plastique, et donc les plages du Sri Lanka sont inondées de façon qui va être difficilement réversible, en tout cas à court terme, par des plastiques, des microplastiques. C'est terrible, ces images. Et alors, les images que vous disiez, les animaux, parce que ça impacte. Pourquoi on réagit en tant que législateur? Parce qu'il y a la pression citoyenne, parce qu'effectivement, il y a un état des lieux aujourd'hui, et des images qui nous parviennent en flux continu, ces animaux, donc le bien-être animal, la santé des animaux, peut-être à terme l'extinction de certaines espèces, j'en sais rien. Et puis, voilà, tous ces plastiques qui commencent comme ça, qui se terminent en se dégradant, en terminant, et qui terminent dans l'assiette. Parce qu'à un moment donné, c'est nous qui les ingérons. Oui, c'est ça. Ouais. On peut peut-être justement revenir sur ce concept de microplastique qui est peut-être moins familier. Autant on a ces images de pollution plastique plus vaste. Mais ici, l'idée de cette exposition était aussi de rendre visible l'invisible, comme Gaëlle le disait. Et donc, quels sont finalement... c'est quoi les microplastiques? On sait qu'il y a deux grandes familles. Tout à fait, oui. La définition formelle, c'est une petite particule de plastique qui fait moins de 5 mm, mais on va jusqu'à l'infiniment petit. Effectivement, on a deux familles. On parle des microplastiques primaires et des microplastiques secondaires. Pour les primaires, c'est tout ce qui vient déjà sous forme microplastique. Donc, on a en tête peut-être les microplastiques qui sont ajoutés directement comme ingrédients à nos produits de grande consommation, comme par exemple, je suis à côté d'un évier, comme du dentifrice, mais aussi dans nos shampoings, dans notre maquillage, notre rouge à lèvres, etc. Les scrubs. Exactement, aussi. Ça, c'est à la mode, les scrubs. Oui, mais en réalité, il y en a vraiment partout. Ouais. C'est-à-dire, on en a aussi dans les peintures, on en a dans toute une série de produits.
Et puis on a aussi des microplastiques dits secondaires qui là viennent vraiment de la dégradation d'items plastiques plus importants comme ceux illustrés par exemple ici, mais aussi qui vont se décomposer au fur et à mesure. Quelque chose que je n'ai pas mentionné dans les microplastiques primaires et qui rentre dans cette catégorie, c'est effectivement les microplastiques issus des pneus. Vous cherchiez un pneu en début de cet échange. Il y a aussi les microplastiques, donc ces petites billes qui effectivement viennent d'être renversées dans l'océan au large du Sri Lanka. Il faut savoir que ça arrive en Europe aussi. On a une pollution massive à Tarragone, on a une pollution qui est intervenue ici même en Belgique, à Écosine, il y a un an de ça. Et là, vraiment, ben, on a besoin de mesures. Donc je m'avance un peu sur la suite du débat, mais on a une connaissance de plus en plus approfondie des microplastiques. On sait, c'est un chiffre un peu parlant, un petit peu comme celui le fait qu'il va y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan d'ici 2050. On sait aussi qu'il y a 500 fois plus de microplastiques dans l'océan qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. Donc je pense que c'est... Et en même temps, les plastiques, c'est 80% de la pollution dans les rivières. Et ce que l'on a adressé dans la directive plastique à usage unique, qui ne concerne pas les microplastiques, mais tout de même, donc c'est-à-dire ces plastiques-là, et les engins de pêche, parce qu'on les oublie toujours, mais ils étaient... Les engins, c'est les filets perdus, les fils oubliés, par amenés au port, laissé volontairement par les pêcheurs, enfin, c'est tout ça. Mais les deux ensemble, ça fait 70% de toute la pollution des rivières et des océans. Donc c'est beaucoup, c'est pas encore suffisant, mais c'est effectivement beaucoup. Et on va continuer, notamment sur les microplastiques. Je ne sais pas si on va y venir, mais l'Union européenne, le Parlement en tous les cas, ne s'arrête pas là. Ouais. Donc moi, je voudrais juste encore compléter aussi au niveau des sources. Et nous, c'est au sein de l'équipe du Musée des Égouts, ça nous a quand même beaucoup interpellé dans les microplastiques primaires. C'est aussi tout le secteur du textile, tout le textile qui est synthétique, qui à chaque lavage, surtout dans les premiers cycles de lavage, libère énormément de petites particules. On les voit ici en interaction, parfois ingérées par le microplancton, et donc voilà, nous ça nous a quand même sensibilisé aussi sur les choix qu'on peut faire en tant que consommateur, acteur, j'ai envie de dire, se tourner peut-être vers les secondes mains, vers des filières de ça, c'est dans notre cartable, hein, ça, vous avez commencé en me demandant l'actualité, donc le 3 juillet effectivement les premières dispositions d'interdiction de toutes ces babioles, pour lesquelles, parce que c'était l'argument premier, à chaque fois, une alternative accessible, disponible, existe. On n'a pas rendu la vie impossible aux gens, ce n'était pas le but du jeu, et dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas cette adhésion. Avant la fin de l'année, la Commission nous propose son projet, effectivement, sur les microplastiques, intentionnellement ajouté dans toute une série de produits qu'on vient de citer, et est dans le cartable à assez court terme aussi. En revanche, une directive ou un règlement sur les microplastiques non intentionnellement ajoutés, donc c'est-à-dire les tissus synthétiques, les polyesters, les nylons, etc., et les pneus. Donc tout ça, c'est dans le pipeline, quoi. Concentrer peut-être à présent sur l'impact. On l'a déjà évoqué, de la pollution plastique et microplastique. Et une des questions qu'on nous pose souvent, les visiteurs qui viennent au musée nous posent la question, quel est l'impact de ces microplastiques quand moi je fais une lessive? Est-ce que vraiment je porte atteinte à la santé, à la santé humaine, puisqu'ils voient bien qu'à la chaîne, à la base de la chaîne alimentaire marine, le plancton est impacté. Et donc si le plancton ingère le microplastique, ben, tout l'ensemble de la chaîne alimentaire marine, les gens nous interpellent. Est-ce qu'on peut encore consommer du poisson? C'est toutes des questions qui sont... nous, en tant que musée, on n'a pas toujours les réponses. Elles sont très légitimes, ces questions, parce que tout citoyen entend, on a retrouvé du plastique dans l'air, on a retrouvé du plastique dans l'eau, on a retrouvé du plastique dans les aliments, les moules. Ici, il y a un chercheur très connu en Belgique qui a fait des recherches là-dessus. Dans la bière que nous buvons, donc on peut s'interroger légitimement quels sont les impacts après pour moi, citoyen. Alors, c'est une question extrêmement difficile. Vous qui avez, par exemple, 20 ans d'expérience dans la commission environnement et santé, il est toujours très délicat de montrer directement l'impact d'une pollution sur la santé. Mais on a de plus en plus de recherches et de chercheurs qui nous disent que les impacts et les risques sont énormes.
Ils parlent de risques, ils parlent d'impact potentiel. C'est difficile pour eux de se mouiller et de dire voilà, les risques sont avérés et sont ceci. En tout cas, on sait en faisant des recherches sur les animaux marins qu'il y a des problèmes de fertilité qui ont été observés, des maladies telles que des cancers. Il faut savoir que le plastique, en fait, il y a des additifs, donc des produits chimiques qui sont ajoutés pour faire nos objets du quotidien. Donc ça, c'est problématique. Et ensuite, le plastique a la particularité dans le milieu aussi de jouer un peu le rôle d'éponge. C'est-à-dire, il va capter tous les produits chimiques. Voilà. Donc ça aussi, c'est un peu un cocktail très dangereux. Et on s'interroge sur tout ce qui est perturbateur endocrinien. Voilà, je vous disais, les risques de fertilité, des cancers, etc. On a eu une étude qui a montré qu'il y avait du plastique dans les placentas. Donc c'est autant de preuves qui nous font nous inquiéter énormément. Au-delà du fait que, évidemment, le plastique impacte l'océan et l'océan a un rôle clé pour notre santé à nous aussi. Une respiration sur deux est due à l'océan, grâce à l'océan. Donc tout ça fait que nos inquiétudes sont énormes. Et quand on parle de l'océan est un puits de carbone, il absorbe le CO2, et on est en train, avec toutes ces pollutions diverses, celles-ci et d'autres, de diminuer cette capacité, mais qui est essentielle pour la survie de la planète et de ses habitants. Donc c'est vraiment pas l'un des moindres problèmes. Et vous avez raison de dire, parce que moi je suis là depuis 20 ans, vous savez que quand j'ai commencé, moi maintenant, mais quand j'ai commencé, je venais d'un... Voilà, d'ailleurs. Et j'étais si et découvrais au Parlement, c'était dans les premiers débats auxquels j'ai participé sur la directive tabac, produit du tabac. Eh bien, j'entendais des collègues allemands encore, je ne veux pas du name and shame, mais c'était des Allemands qui étaient en train de m'expliquer qu'on n'avait pas la preuve du lien. On était donc en l'an 2000, qui me disait, sur le tabac, on n'a pas... Or que la preuve, elle est avérée, comme 2 et 2 font 4 depuis 1950, ou à peu près. Eh bien, qu'on n'avait pas les éléments de preuve entre la dangerosité du tabac et les maladies, en l'occurrence les cancers provoqués par le tabac. Vous imaginez, sur les plastiques, on commence aujourd'hui à montrer les éléments de preuve que ces éléments se retrouvent dans nos estomacs, dans nos corps, dans nos tissus, etc. À quel point c'est difficile de convaincre que ça constitue un danger pour la santé humaine. Ça reste tout un débat. Est-ce que vous avez rencontré justement des experts, des toxicologues qui travaillent sur ces questions de l'impact du plastique sur la santé humaine? On en a rencontré, évidemment, en commission de l'environnement. C'est le processus législatif. On rencontre les parties prenantes, les stakeholders, que ce soit l'industrie, les producteurs, que ce soit les associations, que ce soit les scientifiques, les experts, etc., au cours de très nombreux panels, aussi bien la commission dans son évaluation et dans toutes ces assessments, donc ces évaluations, effectivement, avant de proposer le texte, que le Parlement en tant que tel. Ça se fait à tous les stades, et chaque député, il appartient à chaque député, et je dirais spécifiquement au rapporteur, effectivement, à part, à une exception près, l'industrie du tabac, c'est la seule qu'on ne rend... Si on suit les guidelines de l'OMS, on ne la rencontre pas de façon anodine. L'industrie du tabac est la seule où il existe des règles. Ça ne se rencontre pas tout seul, ça se rencontre en donnant publicité à l'événement, en le signalant, etc. À tel point, l'industrie du tabac a un bad record en termes de lobbying mal pensé et mal tenu. Donc voilà, mais sinon, on rencontre tout le monde, bien évidemment. Et on entend tout le monde. Maintenant, il appartient à chaque député en fonction de faire sa religion au milieu de tous les arguments. Voilà. Du coup, venons-en un peu à cette directive et au rôle de l'Union européenne, donc, qui est vraiment pour parler des solutions maintenant et aller aussi vers des perspectives un peu plus positives. On a fait ce constat de cette pollution plastique, de ses impacts potentiels, et donc, et demain, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que l'Europe met en place? Oui. Alors, j'ai un peu partiellement répondu tout à l'heure en disant on ne s'arrête pas là. De toute façon, en amont de... Vous savez, j'ai un sale dépôt, je dis ma directive. Mm-hmm. C'est extrêmement présomptueux. Voilà. En amont, mais on a travaillé sur une stratégie plastique. La stratégie, c'est le cadre, si vous voulez, qui précise effectivement, au niveau de l'Union européenne, on va avancer là, et elle annonce... Et là-dedans, il y avait la directive pour les plastiques à usage unique. J'ai dit les deux textes de loi sur lesquels on va travailler de façon imminente, donc concernant les microplastiques ajoutés intentionnellement et non intentionnellement. Moi, je pense, et j'aimerais, on a une révision de la directive emballage, pour ne pas faire trop de jargon européen, parce que je sais que ça ennuie tout le monde, mais la directive emballage, c'est énorme. 40% des emballages, presque tous les emballages sont inutiles, on peut quand même le dire. C'est très joli, ça fait plaisir. Donc, il ne faut pas non plus... Je suis libérale tout de même, faut un peu, mais bon,
c'est très souvent pas très utile, quoi. Mmh. Et donc 40% c'est du plastique aussi, surtout les emballages, les suremballages. Donc, on va travailler sur une révision de cette directive avant la fin de l'année, là aussi. Et puis il y a toute une série de choses effectivement où ce n'est pas en termes de loi, de contraintes, à plus de 400 millions d'Européens et d'Européennes qu'on travaille, mais en termes de caisses de résonance dans les organismes internationaux, la place de l'Union européenne. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, c'est de façon concertée qu'on doit... L'Union européenne, c'est bien, mais je l'ai dit tout à l'heure, on n'est de loin pas la principale source productrice de problèmes. On est un élément phare dans les solutions, on veut l'être, un petit peu comme la lutte contre le changement climatique depuis les années 90. On a vraiment voulu avancer avec un drapeau de champion là-dessus. Mais bon, le truc, c'est d'entraîner, de faire un effet de... Voilà, d'entraîner les autres au sein de l'Union. Bon, là, mais voilà. Alors, on voit bien que les initiatives se multiplient un peu partout. Il y a toute une série d'initiatives vertueuses qui nous ont parfois précédées, hein. Il y a toute une série de pays d'Afrique, par exemple, sur les sacs en plastique, qui ont avancé avant nous, mieux que nous. On voit bien qu'il y a l'Inde aussi, des villes d'Inde, certaines régions des États-Unis, la Californie, la ville de New York, il y a des... Voilà, le Costa Rica, bon, c'est bien la grande vertu du Costa Rica sur toutes ces questions-là. Le tout, je dirais, j'ai envie de dire, c'est de... Il faut se fédérer. À un moment donné, il y a des initiatives de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, etc. On fait des résolutions, le G7 a fait des résolutions. Moi, je pense, mais là, je réfléchis tout haut, je rêve tout haut, mais un accord de Paris, pas de Paris, de Bruxelles, de, je sais pas, le Pérou veut avancer, il y a une série de pays, sur les plastiques, sur la pollution plastique, sur les, ce serait, parce que tout le monde est conscient, et les votes à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement sont concordants là-dessus, on doit se fédérer. Donc voilà, ce serait bien qu'on ait une sorte d'accord de Paris, dont on connaît les limites en termes de contraintes, mais bon, tout de même, qu'on ait un caucus mondial, parce que je pense que c'est là aussi qu'on doit agir. Si je peux me permettre une réaction. Non, vous m'interrompez. Hein. On appelle de nouveau, là on est tout à fait effectivement oui. En ligne, on appelle vraiment de nouveau un accord international sur le plastique. On espère que ça créerait vraiment un mouvement avec des mesures légales, c'est vraiment notre demande. Là où notre discours diffère peut-être un petit peu, c'est aussi sur l'Europe contre le monde. Le fait de dire pour nous que la pollution vient d'ailleurs, là, on n'est pas du tout en ligne avec ça. On appelle à une responsabilité. Il faut savoir que de la pollution qui est par exemple en Asie, où on a vu ces fleuves, effectivement, etc., il y a beaucoup d'entreprises européennes qui sont en fait responsables de cette pollution. Et donc, on voudrait vraiment rappeler ça. Il est aisé de dire, le plastique vient en fait d'Asie, ils produisent à tout va, etc. Oui, mais les producteurs qui mettent sur le marché sont souvent des entreprises européennes qui suivent en fait des doubles standards en Europe et vont peut-être se plier à des législations qui sont ambitieuses et c'est tant mieux. Et on doit poursuivre notre travail. Mais attention aussi aux produits qu'ils mettent sur le marché en Asie où là, n'ayant pas un cadre législatif ambitieux, ils se permettent certains produits dont on sait très bien qu'ils ne vont pas être recyclés parce qu'il n'y a pas de recyclés ou autre. Il n'y a pas les filières pour ce faire. Et il ne faut pas oublier aussi que nous, pays européens, avons envoyé pendant des années nos déchets plastiques là-bas aussi, donc voilà, c'est là où... Mais vous avez raison, parce que c'est vrai, maintenant c'est fini, hopefully c'est fini, hein. Il y a une décision qui fait qu'on ne peut plus exporter, très cynique, hein, c'était très cynique ça. Donc il y a non seulement ce qu'on produit là-bas avec des standards différents, puisqu'on exportait allègrement, donc il y a la décision chez nous de ne plus autoriser cette exportation de plastique non recyclable, et puis il y a surtout la Chine qui a fermé ses portes. La Chine a pris une décision en 2018 qui a créé un ramdam pas possible chez les industriels du monde entier, parce qu'on ne pouvait plus, elle a fermé son marché, ce qui veut dire que pour beaucoup de, je ne sais pas si je dois dire bad guys, mais de producteurs occidentaux, ça voulait simplement dire délocaliser les déchets. Hein. Au lieu d'aller en Chine, ils vont maintenant, c'est la Thaïlande qui est sinistrée, l'Indonésie, on a tous vu ces images d'un plongeur qui est censé plonger et voir les coraux et qui à la place de ça voit des vols, enfin, des sous-marins de sacs de plastique dramatiques en Indonésie, au Vietnam, enfin tous ces pays-là. Mais on va quand même, je dirais qu'on est dans une période d'une sorte, j'espère, de transition vers une période où effectivement ce sera interdit chez nous, ce sera interdit non seulement en Union européenne mais ailleurs de faire ce geste extrêmement cynique et que pas seulement la Chine, mais d'autres pays l'interdiront, ce qui provoquera vraiment chez nous un changement de paradigme. Au lieu de chercher une autre localisation pour exporter, il faut chercher un autre procédé ou un autre type de production ou de consommation. Est-ce que le principe du pollueur-payeur s'applique dans la production Dans la directive, en tout cas dans la...
la directive plastique à usage unique. On a appelé ça, c'est le REP, c'est la responsabilité étendue du producteur, qui est le principe pollueur-payeur. Alors, pas assez pour certains, mais c'est tout de même ce principe-là qui fait que là où avant, c'était de nouveau quelque chose d'assez cynique, tout le monde pollue, plus ou moins, mais tout le monde pollue, mais qui se retrouve à devoir collecter, ramasser, dépolluer et recycler, ce sont les cités balnéaires, ce sont dans bien des cas des bénévoles, ce sont les municipalités, ce sont les communes, etc., qui, elles, assument les frais. Donc, c'est une situation à laquelle, de plus en plus et un peu partout, on veut remédier, et on l'a coulé dans le bronze de cette directive, à savoir que pour toute une série de produits concernés, dont, et je ne suis pas peu fière, le tabac plutôt que les autres, devront effectivement aussi, le producteur devra participer au financement de toutes ces opérations de, comme je l'ai dit, de collecte, de ramassage, de dépollution et de recyclage. Et donc, ils vont financer le travail de certaines ONG Alors, on ne souhaite pas forcément être financé, on veut garder notre, notre indépendance, mais effectivement, ça a été une avancée majeure, notamment sur le tabac. On a encore des difficultés, l'industrie n'est pas pleinement prête à assumer tous les coûts qui normalement devraient leur incomber quant au ramassage des mégots. C'est un type de mesure qu'on attend également sur les microplastiques parce que vous mentionnez le fait que les autorités assument beaucoup, c'est aussi le cas des citoyens en fait qui payent en fait pour par exemple. Oui, c'est les citoyens, c'est sûr. Exactement, ouais. Le traitement de l'eau, on est dans le musée des égouts, donc le lien est clair là. Les microplastiques qui sont rajoutés comme ingrédients dans nos produits et dans la plupart des cas à notre insu, on ne sait pas qu'il y a des microplastiques dans ces produits souvent. Il n'y a pas de raison que ce soit nous, citoyens, qui payons pour ça, alors que des alternatives existent, alors que d'autres solutions sont envisagées, le système de distribution peut être changé, etc., le système de conception des produits. Donc ça, c'est vraiment une demande qu'on a aussi sur les microplastiques et une vraie responsabilité reconnue des producteurs qui mettent sur le marché des produits qui sont néfastes, en fait, pour l'environnement et pour notre santé. Donc comment finalement les citoyens peuvent agir? Parce que c'est vraiment aussi, on l'a dit, les États se mobilisent, certains du moins, certaines villes et communes aussi. Ici à la ville de Bruxelles, on a eu pas mal d'initiatives, des défis zéro déchet, la suppression des plastiques à usage unique sur les événements, sur les marchés. Donc c'est vrai qu'on a, eu ce... dans les concerts aussi. C'est des initiatives qui peuvent être prises au niveau local. Mais en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut basculer vers une consommation plus raisonnable et... Je commence ou... Parce que dans le fond, c'est... On a tous des éléments de réponse, en rendant hommage aux associations et donc aux citoyens, parce que... C'est clair qu'on fonctionne encore mieux quand il y a un travail qui est fait de concert et que c'est grâce à la pression citoyenne sur toute une série de choses d'ailleurs, et des associations changement climatique, ici les plastiques, que certains ont saisi enfin l'urgence de prendre ce... Donc ça, c'est essentiel, rester mobilisé, continuer d'apparaître, de filmer un peu partout ces images, partout les réseaux sociaux qui sont la meilleure et la pire des choses. En l'occurrence, quand on diffuse ce type d'image, c'est comme le vieux slogan d'un périodique, c'est le poids des mots et le choc des photos. Ça parle, c'est extrêmement parlant et ça mobilise les opinions. Mais je crois qu'au-delà de ça, les citoyens, ils ont le pouvoir final, dans le fond, et premier, c'est le pouvoir de choix. À partir du moment où ils sont informés, ça c'est le boulot de tout le monde, c'est faire le choix de choisir autre chose et de montrer qu'ils sont prêts à passer à l'alternative aussi. Parce qu'à un moment donné, quand il y a moins de demandes pour un produit, vous voyez, l'un entraîne l'autre. Il y a un citoyen qui acceptera de passer. Alors ça, moi j'ai essayé. La paille, puisque les pailles vont le 3 juillet, on ne peut plus en vendre. Hein. Celui qui en vend, c'est pas bien. Moi, celle-là, j'ai du mal. Mais moi, j'ai rencontré dans la foulée, puisque vous me disiez, est-ce qu'on rencontre plein de gens, plein de jeunes, des start-up, etc., qui travaillaient sur des alternatives, notamment aux pailles, aux couverts, les couverts en bambou. Le mieux, alors moi, je préfère effectivement en bambou. Et le mieux que j'ai testé, c'était comestibles, parce qu'elles sont plus soft. Non, c'est dur, mais c'est un peu comme, comment est-ce que je vais vous dire, moi, comme les cornets glacés.
Vous voyez, je suis un peu dans la popote là. Bon, ce que j'essaye de dire au niveau de l'argument, c'est que c'est le citoyen, dans le fond, qui a le mot final ici, dans son changement de comportement, et que tout ça doit être accompagné d'abord par l'information, bien évidemment. Un citoyen qui sait est un citoyen qui posera un choix responsable, s'il a envie de le faire. Tout le monde n'a pas envie. Il y a aussi des gens encore... Parce qu'on est ici entre gens très convaincus et convertis, mais bon, on rencontre des gens qui ne le sont pas et on doit... Et je pense que ce rôle-là, il est vraiment primordial. Parce que, juste un truc, c'est, ici on parle tout le temps de consommation, l'éléphant dans The Elephant in the Room, l'éléphant, et qui a été très difficile et qui n'a pas été abordé dans ma directive, on ne cesse de parler de consommation et de pourcentage de consommation, mais c'est la production. C'est à un moment donné, il n'y a que 26%, c'est une moyenne que j'ai lue, de plastique recyclé pour le moment en moyenne européenne. C'est vraiment pas beau. Donc on continue d'être envahi. Et si on continue comme ça, c'est... Voilà. Finalement, ce n'est pas celui qu'on ne produit pas. Et donc, c'est aussi, ça renvoie toujours un peu... nous, quand on fait nos efforts d'information, on essaie de faire prendre conscience d'une série de choses sur les actes de consommation qu'on peut faire. Mais il faut aussi, à mon sens, en tout cas, faire un peu pression sur les producteurs pour les faire changer. Oui, il y a des petites start-up, comme vous dites, mais qui n'ont pas les pouvoirs de diffusion non plus. Totalement le discours. Coca-Cola. Effectivement, on a un pouvoir énorme, nous, en tant que citoyens, en tant qu'association, on le rappelle, on peut changer les choses, on peut s'investir par son vote, en exigeant des choses à sa commune, en exigeant des choses à son travail. Je ne sais pas s'il y a des gobelets en plastique à usage unique, demander à son employeur de changer ça, on peut faire des choses. Mais on appelle vraiment une responsabilité à être assez juste. Le producteur a aussi un énorme rôle. C'est lui qui met les produits sur le marché, c'est lui qui conçoit les produits. La distribution, elle est pensée par l'industrie, le secteur industriel. Et aussi, on n'a pas la responsabilité, je suis vraiment contente que vous soyez là, des décideurs aussi, parce qu'ils ont un énorme pouvoir aussi de changer les lois quand ça ne va pas, de les faire respecter. La directive à usage unique, on a beaucoup d'espoir. Les associations ont mis énormément d'énergie pour arriver aussi à un texte qui est vraiment très bon, mais il faut maintenant s'assurer que ce soit respecté. Et donc voilà, on a ce discours vraiment de reconnaître la responsabilité de chacun pour faire des choses. On a mentionné Sri Lanka, Ecosine. On a un exemple aussi de pollution, par exemple, plastique. Donc c'est des petites billes de plastique qui sont à l'origine de tous nos produits. Là, on a vraiment une responsabilité qui est 100% de l'industrie, c'est-à-dire c'est eux qui perdent leur billes de plastique. Il faut savoir qu'on a eu des fois affaire à l'industrie qui nous dit « Oui, c'est comme vous cuisinez, vous perdez un peu de farine. » C'est très, très navrant pour une ONG d'entendre ça quand on sait les impacts sur les animaux marins, sur des espaces protégés. Donc voilà, on appelle vraiment une responsabilité à une vraie action. Quand on voit que les industries, quand des initiatives volontaires ont montré leur échec, il faut vraiment que les décideurs se saisissent des sujets et posent des mesures pour obliger en fait au progrès. Sachant que vous avez raison de dire que bon, maintenant la directive est là, mais on doit surveiller son application. Et moi, je vois que jusqu'au bout, de nouveau, pour pas rentrer dans le jargon, mais on a un article dans la directive qui prévoyait que la Commission nous propose des lignes directrices, des exemples, parce que dans le fond, c'est quoi un plastique à usage unique? Alors, selon la définition, on est à bord, donc on est interdit ou pas interdit, ou en tout cas on doit diminuer, ou on n'est pas à bord et tout va bien, Madame la Marquise. Et donc, la Commission nous a finalement proposé ces guidelines ce lundi. Il faut savoir que depuis maintenant plus d'un an, toute une série de secteurs industriels, moi je suis très cash, hein, l'Italie en tête, parce que l'Italie a un très très gros producteur d'assiettes en plastique, de couverts en plastique, etc., qui s'appelle Novamont, dont j'ai dû combattre les arguments pendant tout. Je me demandais tout d'un coup pourquoi dans mon hémicycle, les Italiens, de l'extrême gauche à l'extrême droite, parlaient de la même voix. Et en général, quand vous avez ça, c'est soit les voitures, et ce sont les Allemands, qui tout d'un coup ne sont plus Allemands, mais auto. Et là, tout d'un coup, les Italiens, ils étaient... Je me dis, mais bon, et bon, voilà. Et donc, il n'y a pas qu'eux, mais qui ont bataillé jusqu'au bout pour n'être plus à bord. Et pourquoi, par exemple, je trouve ça intéressant,
parce que j'ai assisté ça, à ce type de discussion avec les Finlandais pendant la directive, c'est pour les produits linés, les produits hybrides. Donc quand on dit gobelet en plastique, en réalité, ils sont souvent en carton liné de plastique. La même chose pour les assiettes ou certains couverts. Et donc, partant du principe qu'ils étaient hybrides, oh, bah, écoutez, ce serait mieux que je ne sois pas à bord. Je ne suis donc pas un plastique à usage unique. Je ne suis pas un plastique vrai. Enfin bon, voilà. Et c'est dit. Donc, tout ça pour dire, c'est important de surveiller l'application parce qu'à tout moment, pour certains, le but du jeu, c'est de surtout sortir de ce qu'on appelle le champ, de n'être plus concerné, de n'être plus... Et par exemple aussi, ce qu'on a vu depuis un an, pardon si je suis... Mais c'est que la crise, la pandémie, la Covid, elle a servi d'alibi pour plein de gens, plein de secteurs, pour dire, OK, on arrête tout, on gèle le machin, on gèle le process, on a besoin des plastiques tout d'un coup. Évidemment, pour les dispositifs médicaux, mais juste petit truc, ils étaient déjà en dérogation, on n'est pas fous non plus. Évidemment, mais vous avez vu qu'il y a quand même le plastique qui s'est un peu remultiplié partout, pour les emballages, pour l'hygiène, pour toute une série de choses. Et donc, c'était facile pour certains tout de dire, d'élargir un peu et de dire, oula, on va se donner le temps, on va se donner 2, 3, 4 ans. Donc, je vous rejoins tout à fait, on doit vraiment faire attention à tout moment et rester vigilant. C'est oui. La question des bioplastiques aussi. Voilà. Oui, merci de l'aborder et merci d'amener ce sujet-là. Effectivement, ça a été une inquiétude de Surfrider parce qu'on voit que dans le milieu marin, voilà, un bioplastique, un animal ne fait pas la différence. Hein. C'est les mêmes impacts. Le milieu marin, il est complexe, on a peu d'oxygène, on a peu de lumière, etc. Un plastique ne disparaît pas comme ça. Hein. On parle de 1000 ans pour que le plastique se dégrade et c'est un phénomène très complexe. On a des microplastiques, on l'a vu là, c'est le thème de l'exposition aussi, ils se dégradent en microplastiques. Et pour les bioplastiques, souvent le citoyen peut penser « Ah, bioplastique, c'est bio ». Alors déjà, pas du tout. Malheureusement, le nom porte à confusion. C'est deux réalités différentes. On a des biodégradables d'un côté et des biosourcés, donc avec une part de plantes, etc. Mais il faut savoir que par exemple, pour les biosourcés, on peut avoir jusqu'à 75% qui est en réalité du plastique conventionnel, donc des énergies fossiles, etc. Donc un aspect très trompeur. Et pour les biodégradables, on va penser, ah ben je vais le mettre dans la nature, il va se dégrader allez, en 2 jours. Mais pas du tout, c'est un standard, très très strict. C'est dans des conditions industrielles très encadrées. Et ces conditions-là, elles n'existent pas dans la nature, et encore moins dans le milieu marin. Donc on a beaucoup alerté, c'est une vraie satisfaction de voir que, voilà, on n'a pas eu d'exemption pour... C'est amusant parce que j'ai l'impression de m'entendre. Parce que c'est ça. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de norme de bioplastique. Effectivement, la norme qui existe, c'est une norme industrielle en milieu fermé à 60 degrés. Mais quelle mer ? Alors, effectivement, on constate que le plastique se biodégrade. Mais quelle mer fournit ce genre de conditions ? Aucune, bien évidemment. Donc, c'est un débat qui est extrêmement compliqué parce que là aussi. Et moi, j'attends, je serais ravie, franchement, je serais ravie de voir. Et j'écoute, je suis très attentive à toutes les initiatives des startups ou des très grosses boîtes parce que c'est essentiel. Si d'aventure, pour le moment ou dans quelques mois ou dans un an, on arrive à mettre au point un véritable bioplastique, un plastique véritablement dégradable dans des conditions naturelles que l'on rencontre un peu partout, je serais ravie. Mais pour le moment, je n'insulte pas l'avenir. Simplement, c'est un alibi pour toute une série de grosses boîtes pour le moment, dont les Italiens dont je parlais, pour avancer et donner à leurs produits une vertu qu'en réalité, face à une tortue, il n'a pas, ou dans l'estomac d'un cachalot, il n'a pas. Voilà. Et tout ce plastique qui est produit, finalement, est-ce que le recyclage, est-ce que c'est une piste, une alternative, passer vers une économie circulaire, est-ce que ça reste une alternative? Alors, le recyclage est une des solutions qu'on a effectivement en main et qu'il faut améliorer, mais on alerte beaucoup sur le fait que voilà, le tout recyclage, ce n'est pas la solution à la pollution plastique. Il faut vraiment réduire à la source, parce que là, la quantité de plastique qu'on produit, elle est démentielle. Donc, on ne peut pas vraiment gérer tout ça. La preuve en est, on l'a mentionné, on a envoyé pendant tout un temps notre plastique en Asie. C'est aussi, il faut bien comprendre qu'un plastique qui est dit recyclable n'est pas forcément recyclé. Donc là aussi, c'est un concept à bien comprendre. C'est parce qu'on le met au tri qu'il va être recyclé. Par exemple, au niveau local, souvent les pays en fait s'envoient le plastique parce que c'est pas rentable. Souvent il y a différents matériaux, donc c'est pas si facile de recycler le plastique. On a du plastique qui est décyclé aussi, c'est-à-dire faut pas croire que c'est recyclé à l'infini. Souvent, c'est récupéré, mais un usage
pour un usage moins intéressant. Et en plus, ça va être que quelques fois parce qu'il y a tous les produits chimiques aussi qui accompagnent ce plastique. Donc, tout ça fait qu'il faut bien comprendre que le recyclage, c'est bien, c'est une solution, mais que ça ne va pas réduire notre problème. Il faut vraiment... C'est là où, voilà, quand vous parliez d'économie circulaire, c'est totalement un concept qu'on soutient, qu'on appelle de nos voeux, mais il faut aussi une réduction à la source. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On a mentionné le chiffre de plus de plastique que de poisson. C'est bien révélateur du problème qu'on a. Je lisais, parce que je sens qu'on arrive à la conclusion, en venant vous voir, il y a 1000 études, hein, les chiffres d'une enquête de l'université de Leeds qui disait qu'effectivement, si on continue au rythme actuel en 2050, on va à ce point crouler sous les milliards de tonnes de plastique que ça pourrait recouvrir une fois et demie la surface mise à plat du Royaume-Uni. Mais en même temps, et c'était la conclusion, s'il y a cet effort concerté, cette fédération de toutes les initiatives régionales, nationales, européennes et au niveau des Nations Unies, des G7, et locales bien évidemment, ça peut être résolu ou adressé en une génération. C'est pas insoluble, mais c'est comme pour beaucoup de défis environnementaux, il est temps. Oui. Voilà, ben, ce sera peut-être le mot de la fin. On ne sait, voilà, on ne va pas juger si on a trop tardé, probablement que oui. Mais voilà, en effet, les solutions existent, elles commencent à se mettre en place. Et voilà, on veut rester optimiste aussi par rapport à voilà, les initiatives qui sont prises tant au niveau de la société civile, que des pouvoirs législatifs au niveau à tous les échelons finalement, et avec le support aussi des ONG qui sont très actives et qui ont un pouvoir qui démultiplie finalement la volonté des citoyens européens. Moi, je voudrais chacune vous remercier d'avoir pris du temps pour venir dialoguer dans le cadre de cette exposition. Alors vous participant à ce live, vous avez la possibilité de partager vos questions donc dans le live directement, et pour poursuivre votre réflexion, on vous invite à découvrir le documentaire The Story of Plastic qui est donc disponible en ligne via notre page Facebook sur le site de l'Ocean Week aussi, qui accueille donc cet événement, et donc c'est en ligne gratuitement jusqu'au 14 juin. Et puis on vous invite aussi, comme on va le faire maintenant, à visiter le musée avec cette exposition jusqu'au 19 juin, et puis au-delà aussi, puisque notre propos continue bien au-delà de cette exposition. Et donc je vous invite, Frédéric, à venir visiter l'exposition avec nous.